Salut les gars. Bon bah écoutez, je vais faire une vidéo assez simple. Je vais présenter mes nouveaux arrivages, donc que ce soit cadeau ou achat. On va pas rester 10 piges sur le truc. On va commencer au plus simple. Nose, donc je pense que j'apprends rien à personne. C'est assez connu, on va pas se mentir. Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Donc je trouve ça assez original dans le sens où Astérix en Blu-ray, c'est pas trop courant à Nose. Il était caché tout derrière, donc je suis plutôt content. Je crois que je l'ai avoir eu pour 3,99€. C'est que dalle pour un Blu-ray Astérix. Je trouve ça excellent quoi, pour le coup. Ensuite, j'ai pris le coffret DVD de Brise de Nice. Voilà, on déplaise à certains. Ah, Anthony. Ah, le petit Antonin. Ah, je vais te péter la gueule. On va pas se mentir. Je vais te péter la gueule. Non, Brise de Nice. J'adore l'humour, le burlesque Jean Dujardin met à ce personnage. Voilà, j'ai beaucoup de cœur. Ok, il y a beaucoup de défauts, il y a tout ce que vous voulez. Moi, j'ai beaucoup de cœur vraiment à ce personnage-là. J'aime sa façon, comment il agit. On dirait du OSS 117, mais encore plus burlesque, quoi. Donc, vraiment, j'adore. Je l'ai pas pris en Blu-ray, bon, il était en DVD à Nose. Je me suis dit, bon, allez, 99 centimes. Je perds pas grand-chose, je l'avais pas, donc ça me permet de l'avoir. Le coffret était plutôt joli. J'ai eu la pop Negan. Voilà, donc Negan, pareil, j'ai eu au magasin Nose. Voilà, pareil. C'est là que j'ai eu encore moins cher. J'ai eu pour 5,99€. On va faire un prix. Très joli, j'aime beaucoup. Voilà, avec ses petites annotations de sang et tout. Plus classe que la Negan classique qu'on connaît. Donc, je suis plutôt content de la rentrée, celle-là. Pour finir avec Nose, voilà, donc j'ai pu obtenir les 4 Tortues Ninja. Je vais vous montrer les autres après. Voilà, en version 8 bits. Voilà, qui représente un peu ceux du jeu vidéo, forcément. Donc, très vintage, voilà. Petite dédicace à Dark Magic Carp, je sais qu'il aime bien un peu les trucs vintage, et ça, je trouve ça plutôt cool. Ils sont à 7,99€ hein, à Nose. Ils y sont encore, donc j'y suis allé. Après, ça va dépendre dans quelle Nose, s'ils y sont tous ou pas. Moi, j'ai pu avoir les 4, donc je suis content. Sauf qu'ils sont à 20€ à Geek Store, donc je trouve ça vraiment pas donné. D'habitude, c'est quand même 14,99€. Voilà, bon, écoutez, je suis plutôt content. Ça veut dire que j'en ai eu 2 gratuites dans le lot. J'ai eu ceux-là, mes préférés, forcément. Michelangelo et Raffaello. De très belles pièces, très content de les avoir. Franchement, c'est... Allez sur mon Instagram, j'ai fait des photos un peu plus sympathiques dessus. Hein, c'est J Photographie. J avec 2 Y, photographie avec 2 Y. Voilà, t'as compris. Du coup, j'ai fait des achats sur Facebook, des personnes qui vendaient des pops. Je recherchais ceux de Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, donc elle les vendait pour 20€. Voilà, donc elle m'a fait un frais de port, je crois, pour le total, j'ai eu pour 24€. Et puis elle m'a offert une autre pop, celle de Wonder Woman. Voilà, elle voulait juste s'en débarrasser, donc j'étais plutôt très content de l'obtenir parce que je la voulais aussi. Voilà, et pour revenir pour ceux de Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, je les trouve extrêmement atypiques. C'est des pop qu'on voit pas forcément partout, on va dire. Moi, c'est des films de mon enfance, donc je suis assez content de les avoir. Je les recherchais et je suis tombé dessus un peu par hasard. Donc, des fois, on tombe sur des vraies bonnes affaires. Vraiment, le packaging était en parfait état. J'ai les boîtes et tout, hein, mais bon, moi, j'aime bien les mettre vraiment en avant. Voilà, donc je suis assez content de les avoir pour le coup. Ensuite, j'ai commencé à faire ma première soirée, on va dire anniversaire, avec mon pote Antonin et Romu. Voilà, que vous connaissez sûrement. Allez voir les anecdotes et allez voir mon pote, quoique non, sa chaîne, elle est morte. En plus, il la raconte, il fait croire qu'il fait plus de vues que nous. Voilà, il a une chaîne avec du grain qui fait mal aux yeux. Voilà, allez voir mon pote anecdote. Voilà, c'est une petite punchline pour mon pote Romu. Donc du coup voilà, je suis assez content parce qu'on a fait une petite soirée tranquille au cinéma, voilà, comme d'habitude. Mais du coup voilà, on va vous faire des petits cadeaux pour mon anniversaire, voilà, pour fêter ça quoi, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on va aller au petit cadeau, le premier cadeau assez léger, voilà, donc le petit jeu de cartes de Retour à Futur. Donc voilà, je recherchais des petites pièces qui allaient bien dans ma collection pour étoffer justement ma collection de Retour à Futur. Back to the future, motherfucker. Et voilà, je trouvais ça plutôt sympa, plutôt atypique, c'est pas le genre de choses qu'on trouve partout, donc je suis plutôt content d'avoir dans ma collection. Ensuite, on part sur un Blu-ray qui semble classique au possible, Amare Dragon 1, mais pas si courant que ça. L'Amare, il est très souvent dans le coffret avec le 2, moi le 2 je l'avais déjà, donc d'obtenir le 1 comme ça en Amare, savoir qu'il n'est pas très courant, je suis assez content. Donc voilà, ça le fait rentrer dans la collection et je suis très content pour un très très bon film. Par contre, un autre film pareil, sous-côté du game, La French, très grand film, un de mes films préférés du jardin, très sous-côté. Donc Lelouch incroyable, du jardin joue incroyablement bien. Je conseille ce film vraiment, c'est une perle du cinéma français.
voilà, il y en a des bons films au cinéma français. Il suffit de regarder un petit peu plus au détail et pas regarder à la surface. C'est sûr que si vous regardez à la surface, vous allez avoir que des navets. Mais avec des films comme ça, ça vaut vraiment la peine de voir des films français pour le coup. Ensuite, le Steelbook version Fnac de là-haut. Voilà, donc à savoir que ça, c'est un film que j'avais essayé il y a très longtemps. J'avoue pas avoir accroché quand j'étais plus jeune, mais ça fait longtemps que je me le voulais le récupérer pour pouvoir me redonner un avis, parce que tout le monde me dit de ce film que c'est un chef-d'œuvre, et je suppose que je vais ressentir un peu les mêmes effets que pour Wally. Wally, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas trop kiffé, j'ai pas trop accroché, l'ayant même pas vu en entier même, et quand je l'ai rechopé, enfin qu'on me l'avait réoffert du coup en Blu-ray, je l'ai rematé et grosse claque, c'est un de mes meilleurs Pixar que j'avais vu. Donc je pense ressentir un peu les mêmes effets pour là-haut. Écoutez, je vous en dirai plus dès que je l'aurai vu, ce qui ne serait tardé. Pour finir, voilà la petite pop très atypique. Là pour le coup, ils ont vraiment tapé dans le mille. Parce qu'ils savent que mon acteur préféré c'est Leonardo DiCaprio. Et que je dise pas de conneries, je pense que la seule pop qui doit exister sur Leonardo DiCaprio, c'est celle de Jack dans Titanic tout simplement. Donc sublime, voilà, je peux pas dire mieux, voilà, en plus assez rapide à faire, il me reste que Rose à avoir, donc avoir le full set de Titanic, t'as pas trop de compliqué, je vous mytho pas. Ils auraient pu faire quand même le bateau, on est juste sur le truc le plus atypique, voilà, ils auraient pu faire une grosse pièce du bateau, voilà, c'est des idées pour Funko Pop, donnez-moi de l'argent. Donc du coup, voilà, ça me fait très plaisir, voilà, donc ça me permet d'étoffer ma collection de pop, un peu atypique, j'essaie d'avoir des pop que tout le monde n'a pas forcément. Voilà, je ne dis pas que je détiens les pop que personne n'a, mais j'aime avoir des pop vraiment un peu atypiques, que pas tout le monde a. En plus j'ai des collections que tout le monde n'étoffe pas forcément. Voilà, celle de Mad Max, tout le monde n'a pas forcément beaucoup de pièces de Mad Max. Donc voilà, j'essaie d'avoir des petites pièces qui m'intéressent vraiment. Voilà. Donc ceci dit, c'est terminé, voilà, c'était mes dernières rentrées, mais une autre va forcément arriver, donc mon anniversaire arrivant bientôt, je ferai une grosse vidéo, on va dire, rentrée cadeau, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez rapide, voilà, c'est quelques petites rentrées que j'ai eues récemment, voilà, je vous ai pas tout mis parce que j'ai eu des trucs il y a quelques mois, maintenant, je vous ai mis vraiment ce qui a été vraiment récent, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt.